Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue aux 20h à la une. Je suis conscient que la situation de nos compatriotes n'est pas reluisante. Le chef de l'État l'a dit devant le Congrès aujourd'hui. Il confirme la tenue des élections en 2023. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'essentiel du grand oral avec Patrick Michel Moukoui. Deuxième titre de cette édition d'information, amélioration de la sécurité sur l'axe routier Kiwanja-Kanyabayunga. L'armée sécurise le convoi journalier de près de 1000 véhicules. Les conducteurs, vous allez les entendre, apprécient le travail de l'armée à Beni. Nous sommes là au Nord Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue, madame, messieurs. Devant le Congrès aujourd'hui, le président de la République l'a avoué, de nombreux projets souffrent du manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé la tenue des élections en 2023. Il est temps pour que le manque de ressources ne constitue plus un frein pour l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo. Résumé des temps forts d'une adresse qui a duré plus d'une heure avec Patrick Michel Moukoui. Il a avec le pouvoir et su du peuple gérer avec dextérité pendant 12 mois les meilleurs comme les pires moments du fonctionnement de la nation et le voilà une fois de plus venir rendre compte à ce dernier. Le devoir de rédévabilité, c'est ce sentiment patriotique qui a conduit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au palais du peuple ce lundi. Après les honneurs, le président de la République, accueilli par les présidents de deux chambres du Parlement, va rejoindre l'hémicycle où députés et sénateurs réunis en congrès, aux côtés de membres de corps diplomatiques, autorités politico-militaires et les représentants de différentes couches sociales de la population, l'attendaient pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. D'un temps imposant, le commandant suprême de forces armées de la République touche en premier la situation sécuritaire dans le pays, en rendant hommage par un moment de silence aux soldats et compatriotes qui ont péri sous les coups des ennemis du peuple. Des encouragements aux forces armées pour les résultats de l'état des sièges, au renouvellement solennel de son engagement à restaurer la paix et la sécurité dans le pays, Félix-Antoine Tshisekedi s'est insurgé contre ce qu'il qualifie de campagne de dénigrement des efforts de la paix, entretenue par certains compatriotes. Après avoir fait la lumière sur la mutualisation des efforts avec l'Ouganda pour anéantir les IDF et encourager l'expérience du centre pilote de Kanyama Kasese pour la réinsertion des jeunes délinquants, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la redynamisation de certaines structures comme l'IGF ou l'appel C dans la droite ligne de sa vision de l'instauration d'un État des droits. Une vision qui doit rassurer que le droit et le bon a été dit. Touchant les secteurs de l'économie nationale et des investissements, le président de la République a appelé le gouvernement à être attentif aux doléances des opérateurs économiques pour en tirer d'autres. Il a dans la foulée annoncé la mise sur pied d'un outil pour suivre le rythme de l'application de réformes, une forme de table de bord numérique sur mesure. Remerciant les parlementaires pour leur ralliement à la vision d'une union sacrée de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions a épinglé pour une énième fois l'instabilité des assemblées provinciales avec les destitutions en cascade des gouverneurs. Il a appelé les uns et les autres à amender certains textes et à s'abstenir de certains actes qui nuisent. Concernant les prochaines échéances électorales, Félix-Antoine Tshisekedi tient sa roue et promet les élections libres et transparentes, seule manière pour lui de changer définitivement le destin du pays. L'appel à une vaccination massive ainsi que l'accent sur la couverture santé universelle ont résumé l'aspect santé de son discours. Évoquant sa politique de coopération extérieure, le président de la République a affirmé que cette dernière a permis au pays de mieux se positionner à l'international et imposer son leadership comme à la COP26 de Glasgow. Le chef de l'État a reconnu dans les lignes de son discours les difficultés sociales qu'éprouve la population en énumérant plusieurs projets parfois achevés mais qui ne profitent pas au peuple. Des affirmations que les représentants du peuple confirment par une salve d'applaudissements. Sur les tableaux de ce projet figure la construction de plusieurs routes internationales, du port en eau profonde de Banana ainsi que la réhabilitation des aéroports nationaux. Après plus d'une heure d'allocution, le chef de l'État a répondu aux préoccupations de la population. Un discours qui a posé les bases d'une année 2022 qui s'annonce plutôt meilleure que celle qui s'achève. Le chef de l'État a pour ce faire instruit le gouvernement à renforcer le système de pilotage de projets en cours.
Un discours attendu et diversement commenté. Voici quelques réactions des congressistes depuis le Palais du Peuple. Ben, son discours, c'est que le Congo ne va plus de mal, comme c'était dans le temps. Il y a eu de changements et que cette thérapie était venue, mais avec un rythme lent, qu'il faut y donner un coup de pouce et que c'est ce qu'il fera pour 2022. Donc c'est un coup de pouce qu'il va donner pour que les choses aillent vite. Une autre thématique importante, c'est le développement à partir des provinces. Nous l'avons toujours dit du haut de cette tribune, qu'on ne peut pas développer le Congo en oubliant les provinces. Et le chef de l'État, à travers le projet de 148 territoires, a mis un accent particulier dessus. C'est un discours très équilibré qui ramasse non seulement les avancées de l'actuel gouvernement, mais aussi les faiblesses et les défis à relever. C'est vraiment l'engagement solennel du chef de l'État et surtout sa détermination à en finir avec les massacres dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, spécialement dans mon territoire de Beni. Et cela est dû à l'activisme négatif des ADEF. Il a répondu à toutes les inquiétudes dont le peuple avait dans la rue, en commençant par la sécurité à l'Est. Il nous a démontré qu'effectivement, à l'Est, il y a du progrès. Et aussi, il a parlé du peuple. Il a montré que 2022, c'est l'année où vraiment beaucoup de choses vont se réaliser. Il a ramassé la vie quotidienne de tout un Congolais. Et c'est une joie. Nous demandons à ce que toutes les autorités établies d'accompagner les discours du chef de l'État pour mettre ça en exécution. C'est heureux que le chef de l'État a consacré une grande partie de son discours justement à nos ressources naturelles, à l'environnement, à la forêt, à nos tourbières. Vous avez bien entendu comment il a longuement insisté là-dessus. Et donc aujourd'hui, pour nous, pour notre institution, c'est un mot d'ordre extrêmement important qui a été donné par le chef de l'État. Maintenant, il faut se mettre au travail pour assurer la souveraineté de l'État et l'autorité de l'État jusqu'au plus profond territoire de la nation. Et c'est une des missions de l'ICCN. Nous, qui sommes des représentants de la population, nous avons perçu une vision claire du chef de l'État. Et il sait où il est en train d'amener ce pays. Et j'appelle donc la population congolaise à le soutenir à fond, avec le soutien, la participation, l'accompagnement de tous les acteurs politiques. Le social de la population que nous voulons meilleur sera une réalité. Nous, députés nationaux, nous devons toujours soutenir les désidératas de la population pour que le développement se manifeste dans notre pays. Le virage social s'est déjà pris et les infrastructures, je pense que nous ne pouvons que compter sur le président de la République, en espérant surtout que la redevance pétrolière que nous réclamons, cette décision devra venir de lui comme il le fait déjà pour les ports en eau profonde. La question sécuritaire est pour moi prioritaire. Et donc, par rapport à l'état de siège en Ituri, ainsi que, bien entendu, au Nord Kivu, et donc, on attend en tout cas que le résultat escompté soit senti et visible. Et donc, nous l'encourageons dans ce sens-là. Et la mutualisation des efforts avec l'Ouganda, nous l'avons salué, cette action-là. Et on espère quand même qu'il y aura des résultats escomptés pour que nos populations vivent dans la quiétude. Pour moi, je suis beaucoup plus heureux parce que j'ai toujours défendu la modernisation de l'aéroport national de Lodja. Et donc, j'espère que dans les calendriers du chef de l'État, l'aéroport de Lodja, que j'ai toujours défendu, sera construit et modernisé. Grâce à ce voyage, aujourd'hui, on peut compter sur le Congo. Le Congo est rentré sur la scène politique internationale et il a trouvé des moyens de financement pour les différents projets dans notre pays. Donc, ceux qui parlent des voyages du chef de l'État doivent comprendre qu'aujourd'hui, le Congo est revenu sur la scène politique internationale grâce à Félix Tshisekedi. La DPEC appuie à 100% le chef de l'État et invite le peuple congolais à le soutenir. Invite le peuple congolais à soutenir les forces armées qui se basent à l'Est pour la sécurité. Le Congrès national congolais, parti cher à Excellence Plus Mabilumba et Moukala, est au rendez-vous aujourd'hui parce que vous voyez que le président de la République, respectueux de la Constitution, doit se livrer à un exercice constitutionnel, présentant ainsi la situation de l'état de la nation.
C'est pourquoi nous y sommes aujourd'hui mobilisés. Ce discours-là, il a mis l'accent sur la paix, sur la sécurité du pays, sur la place du Congo dans le Conseil des Nations. Il a mis l'accent sur les infrastructures faites au niveau interne, parce que le Congo n'est pas que Kinshasa. Souvent, quand on est à Kinshasa, on pense que le Congo est résumé dans les rues de quatre coins de Kinshasa. Mais il a cité le projet qu'il a fait au niveau des provinces d'infrastructures pour améliorer la vie des populations infrastructures. Et... La cellule de base de Samalou Kondé a une seul objectif principal. C'est vulgariser la vision du chef de l'État et accompagner le Premier ministre dans la réalisation des objectifs lui assignés par le président de la République. Nous sommes là en fait date historique par rapport à ce discours de l'État de la Nation, mais pour voir dans quelle mesure que nous puissions d'abord divulguer ces informations et soutenir davantage envie de gagner les élections lors des suffrages de 2023. Autre chose, si vous avez la chance de passer par ici, vous ne serez jamais médiocre. Félix Tshisekedi est un produit des écoles, des frères des écoles chrétiennes. Ses propos, il les a tenus hier à la cérémonie marquant le centenaire de l'Institut Tumba au Congo central. Un dimanche de mémoire pour l'ancien portier de l'équipe de foot de son école il y a 42 ans, Guilin Kabalundi. C'est un retour aux sources pour cet ancien élève de l'Institut Tumba Kunda Diazai, une des écoles de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes dans la province du Congo central. Élève hier et aujourd'hui président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a foulé ce dimanche le sol de cet établissement scolaire, 42 ans après, pour la célébration de la fin des festivités du centenaire de cette école. Le chef de l'État a immédiatement participé à la messe dite par l'administrateur du diocèse de Matadi, en présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses et autres. Des discours des circonstances ont par la suite été prononcés. Le président de l'Association des anciens élèves des écoles chrétiennes à Saint-Neuf, qui compte parmi ses membres trois des cinq présidents de la RDC, Joseph Kassavubu, Joseph Désiré Mobutu et Félix Tshisekedi, a indiqué que c'est une grande fierté de voir l'un d'entre eux élevé à la magistrature suprême. Avec beaucoup d'émotion, le président de la République, s'adressant à l'assistance, a saisi l'occasion pour ressasser le passé des années bleu-blanc. C'est pour moi un grand honneur, mais aussi et surtout une grande émotion de retrouver cet endroit qui a gravé ma mémoire, je dirais même ma vie. Car c'est ici que j'ai fait mon cycle d'orientation. Et donc, c'est ici que j'ai reçu l'orientation de ma vie. L'Institut Tukuza, comme nous l'appelions à l'époque, l'Institut Tumba Kunda Diazai, en réalité, donc le diminutif c'est Tukuza, c'est vraiment le temple, le siège de la sagesse. Quand vous avez eu la chance, moi je dirais la bénédiction de passer par ici, vous ne pouvez pas être médiocre dans votre vie. L'honneur est également revenu au chef de l'État de dévoiler la plaque commémorative du centenaire de cette école. Il a été formé par les Congolais que nous sommes, formé par les religieux frères des écoles chrétiennes, et voilà qu'aujourd'hui il nous revient avec, je dirais, une autre casquette. Celle du chef de l'État de ce grand pays, de ce grand et beau pays. C'est une occasion de joie et de fierté légitime pour nous, frères des écoles chrétiennes. Mais ce qu'on doit noter ici, il était un bon sportif. Il était gardien de sa classe. Il était aussi le gardien de la sélection du cycle d'orientation, de première et deuxième. C'était lui le gardien. Oui, il était courageux et robuste. Il avait déjà une taille plus que la mienne. Nous considérons que Tumba mérite, en ses centenaires, un honneur d'un exemple de ses formés. Et donc, également pour le Congo central, c'est aussi un plaisir de voir le chef de l'État exprimer cela, parce qu'à l'époque, la majorité de ceux qu'on a appelés des hauts cadres de la République sont passés par le Congo central. Après la célébration de ces centenaires, l'heure est à présent à la réhabilitation des bâtiments qui n'ont pas résisté à l'usure du temps et le chef de l'État a apporté sa contribution à cet effet.
Pourtant, hier, il était parmi les concélébrants. L'évêque émérite de Matadi, Mgr Daniel Landou, est mort hier soir. La nouvelle a été confirmée par un communiqué de l'évêché de Matadi, âgé de 68 ans. Le message de l'administrateur apostolique de Matadi recommande l'âme de l'illustre disparu aux ferventes prières. Le ministre des Finances revient demain au Sénat pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur le projet de loi de finances 2022. Ce texte a pris du retard pour arriver à la Chambre haute. La plénière s'est tenue hier dimanche. Sandra Nyangitabou. Le Sénat a débuté dimanche l'examen du projet de loi des finances 2022. Déjà adopté à l'Assemblée nationale, cette loi est arrivée à la Chambre haute du Parlement avec un grand retard, d'où son examen en mode d'urgence par les sénateurs. Le dimanche 12 décembre 2021, le ministre des Finances, Nicolas Kazadik, accompagné sa collègue des relations avec le Parlement et le vice-ministre du Budget, a présenté les grandes lignes de la loi des finances 2022 qui connaît une amélioration de 41%. Le premier budget du gouvernement de l'Union sacrée présente un équilibre en termes de recettes et des dépenses. Au cours du débat général, les élus des élus ont scruté page par page cette loi des finances avant de soumettre quelques préoccupations au gouvernement qui a promis d'y répondre dès ce mardi. Les réponses seront directement transmises à la commission ECOFIN et bonne gouvernance du Sénat pour enrichissement. Le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, a émis le vœu de la création des comités locaux de développement par décret du Premier ministre pour gérer les fonds qui seront mis à la disposition des territoires. La préoccupation concernant nos territoires, il faudrait que nous puissions demander au Premier ministre de prendre un décret pour créer des comités locaux de développement, où les gens seront désignés ex-qualité. Dans ces comités locaux de développement, comme je l'avais dit, on va trouver la représentation des élus locaux et nationaux, on trouvera la société civile, les privés, les partenaires, les églises, de manière à ce que ces comités locaux prennent en charge la gestion des fonds qui vont être mis à la disposition du territoire. Notez également que nous sommes toujours en attente de l'examen de la loi d'habilitation. Elle a déjà été déposée sur notre bureau, elle a été déposée également à l'Assemblée nationale, mais nous attendons que l'Assemblée nationale nous la transmette pour que nous puissions la prendre en deuxième lecture. Mais je voudrais solliciter en tout cas votre assiduité et votre disponibilité à tout moment. C'est le prix à payer pour que nous puissions mériter nos vacances parce qu'on a beaucoup travaillé durant cette session. De manière générale, le gouvernement doit des explications au Sénat en ce qui concerne le dépassement budgétaire, le manque d'un budget conséquent alloué à la défense, à l'investissement, à la recherche scientifique, à l'agriculture, pêche et élevage. Le Sénat étant l'émanation des provinces, un accent a été mis sur l'exécution de la part réservée aux provinces et aux 145 territoires de la RDC pour booster le développement des entités territoriales décentralisées. La Haute Assemblée a par ailleurs salué le respect de la Constitution par le gouvernement Samalou Koundé pour avoir déposé ce projet de loi des finances dans le délai à l'Assemblée nationale. Le rapport de la commission ECOFIN et bonne gouvernance sera examiné mercredi en plénière avant de passer au vote du budget 2022. Les sénateurs travaillent donc d'arrache-pied afin de doter le gouvernement d'un budget conséquent avant les vacances parlementaires. Justement, malgré ce travail du dimanche, les sénateurs ont été nombreux aujourd'hui au Palais du Peuple pour prendre part au congrès et suivre religieusement le discours du président de la République. Beaucoup se sont retrouvés dans ce bilan. Ils ont réagi. Les Congolais ont suivi le discours sur l'état de la nation prononcé devant les deux chambres réunies en congrès ce lundi. Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont pris d'assaut les alentours du Palais du Peuple. C'est le cas de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée AFDCA, regroupement politique cher à Modeste Baati Lukwebo, président du Sénat.
Mobilisés comme un seul homme, ils se disent satisfaits du grand oral du président de la République. Les membres de l'AFDCA encouragent le président de la République à continuer avec sa vision politique qui redonne de l'espoir aux Congolais. L'occasion a été propice pour les membres du regroupement politique Alliance des Forces démocratiques du Congo et alliés de réitérer leur soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'ils avaient déjà plébiscité comme candidat pour les élections de 2023 afin de lui permettre de parachever sa vision d'une République démocratique du Congo prospère. C'est la sagesse à la nation par rapport à l'état de la nation en général. Tout ce qui s'est passé sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur tous les plans. Le chef d'État s'adresse à la nation. Nous, AFDC, nous avons dit, nous, en tant que parti de l'Union sacrée, notre candidat en 2023, candidat président de la République, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est celui-là que nous allons soutenir. L'Alliance des Forces démocratiques du Congo est la première force politique de la famille politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On quitte Kinshasa pour Béni. Les conducteurs sont les premiers à témoigner. La sécurité s'est nettement améliorée sur l'axe routier Kiwanja-Kanyabayonga. L'armée sécurise les convois des commerçants. Près de 1000 véhicules empruntent cette route. Sur les passages Kiwanja-Kanyabayonga est apprécié par les usagers de cette route. Ceux qui fréquentent cet axe régulièrement disent que ceci a amélioré le trafic. Ça marche un peu bien parce que ça nous aide à nous donner la sécurité. Auparavant, c'était l'insécurité totale. Les mains armées pouvaient bombarder les véhicules, mais pour le moment, un peu ça va quand même. Qu'on voit, tout est apprécié. Ma forme est moins à Mouzengine, à tout apprécié totalement. Ma forme est tout apprécié. Sécurité. Kwanza tuko bien sécurisé mkovwa, mais aussi il y a des temps où va soda va na faire ma relax sana mkovwa. Maki kuna kwa mata moro zona kosa kazi kolie na kwa. D'autre part, les chauffeurs et autres convoyeurs qui fréquentent cet axe routier depuis plus de 5 ans veulent voir la réglementation des heures de sortie du convoi revue pour une fluidité. Le temps, au lieu à ce que le convoi commence à 8h, ça pouvait être au moins à 7h, 6h pour nous faciliter d'arriver au niveau du terrain. Ça sera un peu très bien parce que ça va nous aider à une amélioration des conditions de dérouler. Lorsque les véhicules vont chaque fois passer à une bonne route, ça va aller convenablement vraiment. Sur cet accès routier journalièrement, les FRDC sécurisent près de 1000 véhicules et motos. Lancement campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire dans la province de l'Équateur. Le ministre de tutelle Guy Luando a donné le ton. Lisette Mujinga-Mutombo. Les ministres d'État, ministres de l'aménagement du territoire dans l'ex-province de l'Équateur, outre l'accueil chaleureux et historique de Guy Luando Mboyo par ses frères et sœurs, l'agenda de ses fils de terroir prévoyait le lancement de la campagne de vulgarisation de la politique nationale de l'aménagement du territoire. L'ouverture de cette campagne a démarré avec les travaux de vulgarisation et de mise en œuvre des prescrits de l'État en matière de gestion de l'utilisation des terres. C'était devant les autorités politico-administratives et de l'aménagement du territoire de la province de la Chuapa. De cette précieuse occasion, rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui met au centre de la gouvernance le bien-être de la population par l'aménagement du territoire de la République démocratique du Congo pour son développement durable et harmonieux. Après Boende,
L'aménageur du territoire a mis les caps sur Mbandaka dans la province de l'Équateur. Maître Guy Luando Mboyo a été soumis au même exercice. Il a rendu hommage au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au premier ministre Samalou Kondé Kenge. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d'éviter la superposition des différents titres à travers un bon aménagement du territoire. Mission accomplie pour le ministre d'État, Luando, qui a cédé la place aux experts de son secteur pour la suite de la campagne de sensibilisation afin d'impliquer toute la population dans cette démarche. Publication des résultats de la première édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. Le premier lauréat vient de Kinshasa, Joseph Mungu, 90% dans la filière peinture et vitrerie. Ils sont au total 15 lauréats. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, revient sur le contexte de l'organisation de ces épreuves. Elle est au micro de Cédric Eninambo. Chers compatriotes, depuis 2014, année de création du ministère de la formation professionnelle et métiers, c'est pour la toute première fois qu'est organisé l'examen national de fin d'études professionnelles en République démocratique du Congo. Ainsi, cette première édition porte le nom majestueux de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en vue de lui rendre hommage pour avoir permis la tenue de ces épreuves en appuyant son organisation. Nous lui prions de trouver ici la contrepartie de notre gratitude. Par ailleurs, nous ne pouvons pas rester sans voix face à l'exceptionnel accompagnement du gouvernement à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge. À présent, l'heure est à la publication des résultats. Dans cette démarche, nous avons voulu commencer ces jours par publier les noms des lauréats qui ont obtenu la mention « Grande distinction » dans chaque filière, avancée des autres finalistes dont la publication interviendra par la voie des services de téléphonie mobile à l'issue de la cérémonie officielle que présidera le chef du gouvernement. Des ouvrages pour soutenir la formation des écoliers, le collège Mater Vitae a reçu un don de 1700 livres de différentes disciplines. Un geste de Justin Lokongo Selemani, Marthe Mangazakalala, nous le fait découvrir. Restons dans le secteur de l'éducation, des ouvrages pour soutenir la formation des élèves. Le collège Mater Vitae a reçu un don de près de 2000 ouvrages de différentes disciplines. C'est un geste d'un compatriote, Justin Lokongo. 1700 livres des différents domaines de la vie, c'est un don signé Justin Lokongo Selemani au collège Mater Vitae de l'abbé Hippolyte Badika dans la commune de Ngaliema. Ça fait déjà un an que je suis arrivé à cette école où j'avais promis que je vais les ramener des ouvrages pour les enfants et les formateurs. Les enfants, ils sont tellement contents, disant que les Congolais n'aiment pas lire, les Congolais n'aiment pas les livres. Je pense, je commence à m'en douter. Je dis c'est faux. Les Congolais aiment les livres. Si j'avais amené que les jouets, ils ne seront pas contents. Ils étaient tellement contents. Aujourd'hui, on veut les ramener autant de livres dans les cadres éducatifs qu'on a planté. Des arbres, comment ils vont commencer à mettre ce projet en pratique du côté technique déjà. On fabrique les livres avec quoi? S'il n'y a pas des arbres, il n'y aura pas de livres. On va ramener d'abord les hommes, donc les Congolais, on les emmène à côté de la nature. Et c'est ça que nous, on est en train de voir. Le livre et l'arbre, c'est s'il n'y a pas des arbres, il n'y aura pas de livres. Les bénéficiaires de ce geste promettent d'en faire bon usage. Je suis contente qu'on nous a amené le livre. Sans livre, tu as la mort mensuelle parce que le livre nous permet de développer des choses. Je vais lui dire qu'il est très gentil et que Dieu lui bénisse. Qu'il garde ça jalousement et qu'ils apprennent à lire. Faisant d'une pierre deux coups, c'est d'une fils du pays par sa détermination de lutter contre les changements climatiques, soutient le projet de plantation des milliards d'arbres prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Un autre anniversaire dans ce journal, cette fois-ci à Kinshasa, la commune de Bandalungwa existe depuis 66 ans. L'événement a été célébré par un match de football pour renforcer les liens des fraternités entre natifs de cette commune. Patrick Muyaya Katembwe, élu de la FUNA, a réaffirmé son attachement à cette commune. Souvent abrégé Bandal, la commune de Bandalungwa avec l'élu de FUNA, aujourd'hui ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a célébré le 66 ans d'existence sous le rythme de Azala Zala. Patrick Muyaya. Pour marquer le point, l'association Les Amis de Patrick Muyaya ont organisé un match de football loisir opposant le tendancieux de Jérusalem à la cour de Grand Gurier au terrain Allemagne. C'est le ministre Muyaya qui donne le go. Juste après cette rencontre, le ministre de la Communication et Médias a d'abord présenté l'honorable Eric Chikuma, son remplaçant à la chambre basse du Parlement, ensuite Rémi de Moto. Coup de maître, Bachim Pella parmi les bénéficiaires pour sa loyauté à l'ancien député national, aujourd'hui patron de médias en RDC. Lelo molobeli abandala koma molobeli a Congo et sengote sengote. Bobet elana nous président Maboko Makasi. C'est dans une ambiance de festivité juste après le mot du ministre Muyaya réaffirmant son attachement à son Bandal qui s'est clôturé cette célébration marquant l'an 66 de la commune de Bandalungwa. Processus électoral pour terminer. L'équipe Kadima travaille pour éviter les contestations après les publications des résultats. Cette détermination a été rappelée à la société civile qui a tenu le week-end dernier une table ronde. Il est question de rétablir la confiance entre acteurs. Teti Samba, Hervé Poudi. Placer l'homme au centre de l'action durant les échéances électorales, telle est la vision du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui est déterminé à conduire les échéances électorales à bon port. Vision explicitée par son représentant Gérard Bissambou à la table ronde de la société civile. Tenue du vendredi 10 au dimanche 12 décembre 2021 sur le thème « Une société civile autonome, indépendante et responsable face aux enjeux de gouvernance démocratique ». L'intervention du représentant du président de la CENI à ce forum était axée autour des défis liés au processus électoral de 2023. Il a reparti ces défis en trois volets, notamment celui lié à la transparence, à la crédibilité et à la promptitude électorale. Aussi, la question de légitimité et celle de la gouvernance électorale. Il a par ailleurs souligné que la CENI, sous le leadership de son président Denis Kadima Kazadi, entend organiser les élections crédibles et transparentes. Question de rétablir la confiance au sein de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en cours et de la population. Le souci est que les élections qui seront organisées en 2023 ne puissent pas susciter des contestations, fait qui ne peut être possible qu'avec la détermination du staff dirigeant de la CENI sous l'impulsion du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Lombo et l'accompagnement de la communauté internationale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle ces paroles de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis conscient de la situation de nos compatriotes n'est pas reluisante. Le chef de l'État l'a dit devant le Congrès ce lundi. Il confirme la tenue des élections en 2023. Vous avez suivi les autres sujets thématiques abordés par le président de la République qui faisait le bilan de différentes réalisations de cette année, c'était devant les députés et sénateurs ainsi que toutes les forces politiques de l'Union sacrée de la nation. Amélioration de la sécurité sur l'axe routier Kiwanja-Kanyabayonga, nous sommes là au Nord Kivu. L'armée sécurise les convois journaliers. On compte près de 1000 véhicules qui empruntent ce tronçon routier. Vous avez suivi dans cette édition d'information les témoignages des conducteurs ainsi que de convoyeurs qui traversent de ce côté-là de la République. Restez avec nous, l'actualité revient à 23h à la présentation Getty Omatuku. Je vous retrouve demain 20h avec le même engagement.